salue la presse, parler, téléviser à Kaling, pour que le travail ça soit fait dans cette population. Parce que je dis, si nous pas bien la presse, nous ne pouvons pas côté pays ça à Kaling. Je dis à la nourriture de nos cafous, côté que repèse sur la police tribobabon qui empêche nous manifester. Nous voulons faire la police connaître que ce n'est pas une obligation, nous camper nous dire que je venais l'année, c'est mandat qui finit. Égal la police te met faire les répressions 24 sur 24, pas qu'à empêcher, je venais l'aller. Égal si on copie bas et vous faites job ça, ça vaut mieux que remettre parce que les pas aboutir. Selon article 134-2, c'est mandat Jovenel qui finit, faut qu'il y aille. Égal mon même problème moi c'est parce que moi ouais l'aide du feu après dans quartier populaire radio qui ce a boulé y aurait les pompiers pas jamais gain de l'eau pour qui ça fait que les caoutchouc a boulé la police toujours joindre de l'eau dans pompiers pour venir tuer caoutchouc a boulé dans la rue. Égal pour qui ça fait la police ça sur la police qui là seulement pour manifestation ou dans la rue gang a tout pas gagner la police beaucoup j'aime te écouter la police qui libérer yo kidnapper au prend pendant ce temps c'est seul manifestant y a maspiné. Regardez pour la police là, il y a un problème, c'est avocat qui pour libérer. Quand il y a un problème, c'est journaliste qui pour parler pour lui. Avec qui est-ce qu'il choisit de battre ses journalistes, c'est avocat. Demain, quand l'encho, qui est-ce qu'il pour défendre son avocat? Moi, je demande aux policiers qui sont dans ces populations, nous même peuple là, nous pas en face, non. Parce que nous sommes dans la matrice peuple là, c'est quoi nous qui payons nous? Quand nous payons nous aujourd'hui, c'est pour nous sécurité. Pour supporter nous dans tout bagage positif que nous avons fait, nous pas payé nous pour nous venir battre, nous maspiner nous, nous étant maspiner nous. Regardez une manifestation qui commence pacifique hier. Dès pour faire ça, ou commencer à faire cérémonie seulement, la police a bon problème, la bat monde, y a pour être blessé, y a pour toute qualité bagage qui pas bon. Est-ce que c'est les policiers seulement qui te choisi de voter Jovenel pour qu'ils aient ce pouvoir? Ou bien que pouvoir c'est pouvoir la police liée? Ou bien papa de Salim te goumé pour la police avec Jovenel? Je dis nous pays c'est pour nous tous. Pays a pas pour Léon Charles, il n'y a pas nos limites côté pour nous passer. Mais quand il dit nous pas qu'il manifester sur l'autoroute d'Elma. Est-ce que de Salim te bout notre pays? Il te divise, il te dit Léon Charles, mais bout de pal, il te bat nous même peuple, mais limite pas nous. Nous dit pays de Salim, nous pour nous tous. Nous pas qu'il doit avoir limite nous. Nous devons marcher dans tout pays pour nous faire dire qu'il nous passer. Les nous avertis la police de manifestation sur façon que nous faisons connaître nous dans la rue. Pour nous capables de nous sécurité. Mais nous ne demandons pas la police droit pour nous manifester. La droit pour nous manifester, c'est un devoir. C'est la constitution qui bat nous même. L'homme n'a pas fait nous bien pour nous sortir dans la rue en foule, pour nous dire non avec Zach Maspinaza qui a fait sur nous. C'est ça que je dis, nous venons de Léon Charles ressaisir parce que Jovenel pour aller, il ne peut pas quitter. Jovenel pour aller, l'a juger lui-même pour tout Zach qu'il fait. Chaque policier qui fait un bagage, il a jugé pour ça. Merci, c'était chez la police. Votre parole tombe vers vous. Merci, bien. Bon, et une autre fois encore, nous saluer la presse haïtienne, la presse internationale, tout journaliste qui présent dans la conférence de presse, bilan n'a fait aujourd'hui, après gros journée mobilisation nationale. Qui était faite sous tout pays. Eh bien, je dis à comité mobilisation citoyenne pour respect constitution, hein, l'a présenté bilan pour journée mobilisation qui était faite hier vendredi 15 janvier 2021 dans tout pays. Comme nous connaissons, comité mobilisation citoyenne pour respect constitution, ce n'est pas affaire un parti politique, ce n'est pas affaire un groupe dans la société civile, c'est tout le monde qui met ensemble qui peut faire comité mobilisation citoyenne pour respect constitution. Ce journée manifestation vendredi 15 janvier 2021, dans le département sud-est, sous leadership collectif 7 février, mobilisation c'est bien prend dans ville Jacmel. C'est une forte participation populaire dans la manifestation Jacmel là et pas gain aucun incident pour nous signaler. Félicitations mon Jacmel, félicitations mon Sud-Est, félicitations tout membre collectif 7 février qui t'a organisé aucun chaîne journée mobilisation ça. Dans le département sud et particulièrement dans la ville au Caille,
le succès populaire était au rendez-vous. Population a participé massivement. C'est table concertation sud qui vient là dans toute partie politique, tout groupe qui est en opposition, hein, groupe société civile qui était organisé pour journée mobilisation ça. Félicitations à tous les camarades qui sont dans table concertation sud là. Félicitations peuple Okaïla, peuple département sud. Dans Tikouav, manifestation est déroulée dans le calme, dans l'ordre, dans la discipline, avec une forte participation populaire. Et ils ont été dans la rue jusqu'à 4 heures de l'après-midi. C'est une côté manifestation a fait plus de temps dans la rue hier dans la ville Tigouave, cité Faustin Solo. C'est table concertation Tigouave qui est là dans tout le secteur qui a organisé une manifestation. Ça. Félicitations à tous les camarades qui sont dans la table concertation Tigouave. Félicitations à Tigouave. Dans le département de Nîmes, tu as un sit-in qui a été réalisé avec participation population, hein, sous leadership table concertation NIP. Tout le bagage était passé bien dans l'ordre, dans la discipline de la population des NIP à participer massivement à ce grand sitting. Et c'est un sitting pour dénoncer intimidation, persécution politique qu'a faite dans le département NIP, parce qu'on connaît nos grands pile camarades dans NIP qui sont en prison, qui sont obligés de quitter le pays, à le cacher, etc. etc. Dans le plateau central, dans le plateau, tu as un fonds opposition centre qui c'est FOC qui a réalisé une belle activité dans le plateau dans Hinch. Et dans le balai, tu as Modeste avec OSEC qui a réalisé une journée de mobilisation dans le balai. C'est un succès total, c'était extraordinaire. Félicitations pour tout le peuple plateau central là pour participation dans vos journées de mobilisation 15 janvier 2021. Dans le département Latibonite Kounia, dans la ville Saint-Marc, sous leadership table concertation Saint-Marc, la population a participé à une grosse journée de mobilisation. Seul incident qui a été gagné, l'arrivée de la zone douane, mon chef gang, le Timazo, qui travaille pour pouvoir, qui travaille pour PHTK, qui voyait roche, qui voyait bouteille sous manifestation. Nous dénonçons ce comportement ça. Parce que droit peuple là pour le manifester, pour exiger respect constitution, hein, nous pas quitter aucun monde mettre en question. Félicitations population Saint-Marc. Gonaïve, la cité de l'indépendance, gagne une immense manifestation qui fait avec la participation de plusieurs dizaines de milliers de citoyens qui descendent dans la rue massivement sous leadership table concertation Gonaïve la Tibonite. C'est une grande manifestation populaire et on était dans la rue jusqu'à 2h30 dans l'après-midi. Félicitations population cité indépendance là, félicitations tout peuple Latibonite là. Dans le département Nord-Est, tu as une table concertation Nord-Est là qui réalisait une conférence de presse dans Waname et après ça il était fait un gros sitting dans le département Nord-Est là, toujours dans la ville Waname. Port-au-Prince. Tout le bagage a commencé très bien, avec une très bonne participation populaire. Les militants ont été très déterminés, ils ont été chauffés en pile, et mais malheureusement, le nous arrivait Delma 32, la police a eu un comportement inacceptable, antidémocratique. La police voyait gaz lacrymogène, la police tirait et ça a pratiquement handicapé la manifestation. La manifestation n'a pas de campé, les militants et les citoyens ont continué à faire parcours. Et la manifestation arrivée Pont-Morin, dans Pont-Morin, nous constatons la police tirait en pile balle, en pile gaz lacrymogène, sur le monde qui a participé à la manifestation. Nous condamnons avec la plus grande énergie le comportement de la police. Un tel comportement est anti-républicain et un policier qui a utilisé la violence aveugle, la violence excessive pour attaquer des citoyens qui défendent les droits démocratiques. Sont policiers qui comportaient de façon antidémocratique et au monde comme ça, il n'y a pas de place dans notre police républicaine. Rive Kafoutifou, il y a un militant qui est dirigeant challenger populaire, tout le monde connaît, c'est Mackinson déprimé, il a été arrêté. Il a arrêté monsieur, il a frappé, il a battu le coup, mais heureusement pour lui, heureusement pour toute opposition, hein, suite à l'intervention
dont série d'avocats, notamment Marc-Antoine Maisonneuve et Maître Théophin, Arnel Rémy, Darlene Blaise, Darlene Moïse et un peu l'autre avocat qui joue une libération vers 3h30. Mais ça n'a pas fini là. Il y a des avocats qui ont été séquestrés dans le commissariat Port-au-Prince, nous condamner le comportement ça. Des avocats qui ont intervenu pour faire libérer des citoyens qui ont arrêté, quelle que soit opinion politique citoyenne, avocat ça, il n'a pas le droit d'attaquer, il n'a pas le droit d'agresser et il n'a pas le droit de séquestrer. Il a été fermé, avocat ça, mettre mes honneurs et mettre Théophin, il n'a pas été capable de sortir dans le commissariat de Port-au-Prince. Nous condamnons ce comportement de la police et nous nous réservons le droit de porter cette affaire par devant l'instance disciplinaire de la police nationale d'Haïti, c'est-à-dire l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, pour qu'il soit fait ce que de droit, c'est-à-dire pour que des sanctions puissent être appliquées contre ces policiers fautifs, ces policiers bourreaux qui ont violé les droits de ces avocats dans l'exercice de leur profession. Et il y a plusieurs monde qui sont victimes. Donc il y a des journalistes que ils ont frappé. Tant coup Oriol Jacquelin, qui travaille pour RCH 2000, il a frappé l'endan commissariat Port-au-Prince pendant il a couvert l'événement. Il y a Edris Fortuné, qui travaille pour l'agence en ligne, il y a les bleus et rouges. Lui-même tout, il a frappé comme journaliste. Nous condamnons ce type de comportement et nous disons attention aux policiers, on ne peut pas accepter ça. Il y a des militants, plusieurs militants qui ont frappé dans une champ de masse là, tant que Dumé, Atkinson, Challenger Populaire, il y a un petit blanc tatou, tant que l'autre camarade qui ont frappé dans l'air du champ de masse. L'air du champ de masse, pratiquement, a été transformé en un champ de bataille par les policiers. Mais si blanc tatou devant nous là, n'a pas gardé tête li, côté au frappé dans le pipi, bouche cassée tête li, au cassé bouche li. Ce comportement est anti-républicain et nous n'accepterons jamais ce comportement qu'un policier capable d'afficher contre des citoyens à l'occasion de l'exercice de leurs droits politiques, à l'occasion de l'exercice de leurs droits démocratiques. Et des plaintes seront portées par devant l'inspection générale pour faire sanctionner ces comportements arbitraires. En termes de conclusion générale, comité de mobilisation citoyenne pour respect constitution à capable dit, la journée de mobilisation nationale du 15 janvier 2021 a été un succès total capital, un succès populaire. Un, parce que citoyens ont participé massivement dans et manifestation ça. Nous avons appris articles des agences de presse internationales, notamment EFE et notamment l'autre agence qui rapportait les faits à travers le pays. C'est un succès populaire. Les militants ont fait preuve de discipline, ont fait preuve de leadership et population a participé. Et cela prouve qu'il y a une dynamique de mobilisation extraordinaire qui est enclenchée dans ce pays et cela prouve que le peuple haïtien va se battre avec énergie, avec force et détermination pour faire respecter l'article 134-2 de la Constitution qui précise sans aucune possibilité de confusion que le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse prendra fin indiscutablement le 7 février 2021. La mobilisation va se poursuivre et professeur Josué Mérilien, il pourra le bail suite mobilisation. Hein, et ma tout le monde cap tende nous là que 20 janvier 2021, direction devant l'ambassade américaine, côté nous pourrons parler avec Joe Biden qui pourra le prendre pouvoir pour nous dire Américains pas de droit continuer à supporter un bande criminel, un bande assassin, un bande corrompu qui sous pouvoir en Haïti, d'autant plus que le mandat est fini. Encore une fois, au nom du comité de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution. Félicitations à la presse haïtienne et à la presse étrangère qui a assuré la couverture de cette grande journée de mobilisation nationale. Félicitations aux militants des différentes structures politiques de l'opposition qui ont participé à cette journée de mobilisation. Félicitations aux membres de la société civile qui ont répondu à l'appel. Félicitations au peuple haïtien qui a participé massivement à cette grande journée de mobilisation nationale. Le combat continue et par les monde qui a fait nous battre pas
devant un gouvernement assassin, devant un gouvernement criminel, devant un gouvernement qui a fait corruption, qui a volé l'argent de l'État. Même si on mettait gang dans tout le pays pour tuer le monde, la bataille ne va pas s'arrêter en chemin. La mobilisation est permanente et pas rien qui a cassé la mobilisation du peuple. Peuple qui a boumé, pas bon. N'a pas une fois encore, voyez un coup de chapeau par tout haïtien ici de Claude Baudelot qui a profité journée 15 janvier pour lever camper contre kidnapping, lever camper contre un régime criminel, faire piètre au Shangang, faire piètre imbibable, faire piètre l'enfer. Lever camper pour dire, faut peuple la vie de la dignité. Donc tout le monde de la dignité. Coup de chapeau. Oui, haïtien ici, de Claude Baudelot, qui devait camper, je n'ai 15 ans. Mais je n'ai 15 ans, c'est une occasion pour te, comment, renforcer la mobilisation qui est déjà faite. Et nous, après ben nous, il y a une série de gros dates qui prévoient côté Pepa Soubetouan, soit dans manif ou bien dans débat. Premier date de la veille, c'est 19. Mardi 19 janvier, il y a un gros débat dans la faculté de sciences humaines sous thème de la transition de la rupture, nature, exigence, feuille de route. Donc, dans ce sens, on attend tous les militants, tous les élèves, étudiants, parents, toute population dans la faculté de sciences humaines, qui ont un gros lacou, qui ont réuni pour un gros débat. Et après débat, beaucoup de gens culturels après débat. Fait à 2 heures l'après-midi dans la cour sciences humaines et dans Abbé Christophe. Deuxièmement, le 20, c'est la deuxième grosse journée de mobilisation encore, côté militaire. La population, c'est journée côté Joe Biden après investiture. La population a parlé devant l'ambassade là pour la dire Joe Biden, faut le respecter. Accord, il était gagné avec Haïti dans la diaspora. Cette fois-ci, pas de bail, on vote en blanc comme ça. Il était voté Joe Biden sous base pour Joe Biden pas continuer à appuyer dans le pays. Et gouvernement gang, voleur, criminel, le gouvernement PHTK. Deuxièmement, pour que les Américains suspendent pour les bougies, c'est quoi regarder le pays. Et j'ai les Américains, non. Côté, c'est si son ambassadeur américain qui a fait des faits. Avec aussi ce qu'il y a dans le pays, qui a été l'ordre contre le pays, ça va suspendre. Donc, nous-mêmes, militants et population, citoyens haïtiens, femmes ou garçons, après direction ambassade américaine, et notre lieu, côté plus gros lieu qui est réuni, c'est un bas pour résistance pour nous prendre direction ambassade là. Tout l'invité, et ça va agenda nous, que le 19, nous avons un débat sous question. Et coupé fâché à les sciences humaines à 2 heures et levé depuis 8h30, 9h, tout le monde est sous béton pour direction ambassade américaine. Le 21 a bien un NIP, une mobilisation spéciale parce que là il y a une répression qui a fait contre le gouvernement de Boa. Donc a bien fait une grosse journée de mobilisation dans NIP de manière spéciale. Le 22 nous rappelons, 22 janvier, c'est date préparée de camper. Contre l'élection Malachon qui t'a fait en 2016, il a été fait camper sur l'élection ça. Bien que il a été coulé, il a bon nous l'élection Malachon encore avec Jovenel, mais pour l'instant il a campé et il a fait back. Même si c'est de manière momentanée, 22 novembre, 22 janvier, son gros jour d'histoire, lutte pays d'Haïti, c'est de ça, nous choisissons 22 pour une grosse manifestation. Cette fois-ci, nous avons sorti la ville. N'a passé Kafoua et quoi, et d'un côté, sur le Pétionville, descend pour Don et pour la goutte chez Mas. Donc, en attendant, jusqu'au 22, c'est ça nous gagner. Et le 31 jusqu'au 20. Alors, ça me dit, question de mobilisation, c'est renforcé depuis date 15 ans, mais son mobilisation sans grand souffle, jusqu'au 7. Et après le 7 à tout, la publicité sur l'autre bagaille. Donc avant le 7 là, la publicité, okay, avant le 7 là, nous avons code de coup Jovenel et nous avons tout l'autre criminel qui est là. Mais nous disons pour toute population, rappelez ça très clair, que de 19
à 22, Mégoukaïa. 19, débat, Koudjaï culturel, sans humaine. 20, mobilisation, et sous-soumettement, direction, ambassade. 21, mobilisation spéciale de l'ONU. 22, jour que le peuple a été pris la rue pour faire casser, craser question élection, élection, plateau d'affaires, n'a pas bouté Métionville pour la demander calendrier. Pour nous, okay, calendrier. Pour la demander calendrier réel là. Pour bon, nous. Donc, nous sommes tout le monde. Rendez-vous, c'est sous béton. Rendez-vous, c'est la discussion. Et d'abord, série de activités de mobilisation, précisément béton, il y a une réflexion. C'est fort. Mounio, il n'y a pas de traite sur rupture. Il faut qu'on connaisse qui s'allie, qui s'alimente, qui s'allie, qui s'allemande, et qui cahier de charge, qui fait de route, qui s'allie pour faire pendant la transition. Et bien, on est, qui engagement, c'est un de point, que nous, par contre, transition, on a dit qu'on est passé du pareil au même. Sauf que voilà, tout le monde est en bas, sur la position côté, nous mettons base, pour que l'autre Haïti, le peuple a demandé, Haïti, qu'on est tout le temps à manger, quand il y a l'école, quand il y a la santé, Haïti, côté, notre quartier populaire. Ce n'est pas ZAM qui va mettre dans les mains jeunes, mais c'est l'école qui a pété, c'est le centre de santé, le centre de loisirs qui a pété pour que nous construisions les citoyens qui ont été payés, qui ont été têtés, au lieu de faire des gangs pour faire manger. Donc, mobilisation n'est alcoolée. 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 Merci. Salut, une autre fois encore, la presse parlait. Et puis est télévisé pour présence la conférence là. Et moi je voulais remercier tous les militants sans distinction dans quatre points pays qui te répondent présents dans la journée de mobilisation 15 janvier 2021. Et moi j'ai fait un petit ajout avant d'entrer dans le point par directement pour me dire 20 janvier. C'est mobilisation nationale. Et ce n'est pas seulement à Port-au-Prince, c'est pour tout pays, hein? Même Jean hier, nous constatons Gonaïve, Télévé-Campé, Saint-Marc, Télévé-Campé, Jacques-Mère, Télévé-Campé, dans le Sud, Télévé-Campé, dans le Nip, Télévé-Campé. Et bien le 20 janvier, hein? C'est mobilisation nationale. Nous constatons machine répression. PHTK li déjà déclenché contre le peuple haïtien qui a revendiqué sans langue de bois de pas Jovenel Moïse selon article 134.2 dans la constitution de la pays. Nous dit machine nan listat l'engade directeur général de la police nan, à travers note qu'elle fait sortir pour dire que le peuple haïtien pas de droit manifester sous route aéroport. Li même déclaré que route aéroport c'est route internationale selon la constitution. Si nous déclaré ça directeur de la police t'en dit. Et là nous faire toute recherche à travers constitution et à travers toute loi qui existait, nous pas joindre pièce de législation côté reconnaître que route aéroport c'est une route internationale. Donc bon appel qui lancé pour nous dire avec le directeur général de la police, à partir le 20 Capvin là, eh bien, le peuple va répondre avec notre ça qui a été fait sortir pour qu'il dit que route ça sont route internationale. Machine répression, l'istat même avant, deux jours avant mobilisation, nous avons gardé dans le MIP côté, ils ont tenté intimider la famille. C'est Adonel Kassi. Les ont tenté pour arrêter frère, pour arrêter maman, dans l'esprit, pour intimider, pour faire camper dans la bataille qui est liée aujourd'hui. Mais nous reconnaissons le courage pour les garçons. Même lorsque le ministre de justice, de facto, te qu'on débarqué la caille pour faire pression, et était toujours campé, goumé, pour faire respecter maman loi paysan. Et je le fais encore, malgré toute intimidation, la continue à gourmer à côté du peuple. Nous gardons persécution politique qui déclenche déjà dans le département NIP pays. Côté hier, dans Miragouane, côté population, on a fait sitting. Et bien nous gardons qui comportement
commissaire gouvernement en place là, il déclenche contre manifestants, contre militants, contre dirigeants, dans l'esprit de faire bac, sous bataille qui déclenche pour faire respecter la loi paysan, pour faire respecter la constitution dans l'article 134.2 constitution et l'article 111.8 constitution qui dit pièce moun pas capable de proroger mandat. Alors ce que nous avons Jovenel Moïse, je vous dis, hein, sans respect pour la constitution, eh bien, décider bâille tête en prolongation. Et dans l'esprit pour faire respecter maman loi pays, hein, dans l'esprit pour dire non à tout kidnapping que nous connaissons, et qui PHTK, kidnapping d'État, insécurité d'État, corruption d'État qu'a fait dans le pays, hein, eh bien, nous lançons un appel à la mobilisation manche longue dans quatre coins pays. Hein. Et nous disons, nous ni spécialement dans Miragouane, nous avons répondu présent avec vous dans la mobilisation qui a lancé pour 21 janvier 2021. Nous avons présent avec vous pour nous aider à relayer Chalbari derrière chaque minimum, vous relayez Jovenel Moïse. Nous avons présent avec vous pour nous faire respecter la loi paysan, pour nous faire appliquer l'article 134.2 de la Constitution. Nous demandons pour tout militant dans quatre points pays, tout militant dans NIP, que vous répondez présent dans la date 21. Et nous demandons aux autorités qui soi-disant en place, qui ont assumé responsabilité, qui ont bail bon gens en sécurité pour toute manifestation qui a fait en d'un pays, et spécialement mobilisation dans la date 20 janvier et dans la date 21 qui a fait dans NIP en d'un pays. Qui était mobilisé hier? Hier, c'est une journée historique. C'est un gros jour. Parce que 15 janvier, comparativement avec des dates traditionnelles, tant que 17 octobre, 18 novembre, mais 15 janvier, c'est nous créer. Nous créer, nous convoquer le peuple là, lui répondre. Malgré répression, malgré intimidation, le peuple là dit lui-même. La bataille pour respect 7 février 2021. Militants conséquents, chapeau bas pour nous. Peuple vaillant, chapeau bas pour nous. Et toute opposition qui te font celle pour te lancer journée ça, moi salue courage ou engagement. Nous saluons particulièrement AAA dans la Tibonite qui font une grosse journée de mobilisation. Même gens dans tout l'autre côté, aux tables de concertation, un peu partout. Mais hier, il y a un bagage extraordinaire qui fait encore dans le pays. Hier, il y a des gens qui travaillent pour éclairer la population. Ils ont sorti une vidéo. Et dans la vidéo, ça a été ancien président CEP, Léopold. Ah, monsieur, ça a vrai. Son vidéo qui tranchait sous tout le débat. Elle dit très clair que c'est le pays qu'elle a dirigé sans pression, sans influence. Il prend une résolution pour continuer l'élection qui est initiée. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que dans l'esprit et dans la logique, article 134-2, même si le pays a été respecté la loi. Et c'est dans le respect de la loi, et que je dis à Jovenel Moïse, il y a une responsabilité pour 7 février 2021, il m'arrive pas quête. Il pas chef. Et dans ce sens, moi-même comme sénateur, sénateur Youri, Zokiki, Salomon, Larèche, JP et en pilote toujours, que Jovenel te prend décision. Pour le dire, madame fini. Et il te fait tout ça possible pour te faire décision ça à respecter. Ah, mais je dis, ce n'est pas Jovenel qui va faire décision, pas la respecter. C'est peuple haïtien. Un peu partout à travers le pays. Et même dans la diaspora, permettez-moi de saluer la diaspora qui a lancé journée 15 ans et qui sont succès général. Et dans le cas de ça, je crois responsabilité peuple là. Destin peuple à prendre en main. N'abdi avec toute camarade,
qui te porte support particulièrement ban moi et ban famille en général par rapport avec intimidation pouvoir PHTK fait sous maman avec machine frem sécurité bien chauffeur frem nan côté commissaire gouvernement de facto a été pris en otage machine ça on l'autre fois encore moins salue courage maman une femme vaillante une combattante et qui kembe moral li très haut yon moun ke mwen men en pile et nous ka constater nous ka comprendre degré d'intimidation et maman me dit petite moi continuer bataille parce que bataille pour faire c'est bataille pour libération peuple haïtien li avèm li avec peuple haïtien et dans ce sens ça m'a dit moun nanip ou l'autre fois encore chapeau pour yo parce que yo te rete solidaire avec famille et nous mêmes n'a prêté solidaire avec. C'est dans ce sens ça même Jean sénateur Johnson dit là 21 janvier nous tous a débarqué. Qui ça n'a fait? A débarqué. Ça a débarqué. Nip ou pas pour contour peuple là avec vous et 21 janvier n'a débarqué. M'a fini pour me dire manifestation qu'a fait le 20 à travers capitale là côté moun taba moun la plaine moun delma moun Pétionville moun cité soleil moun foire des bouquets solino kafou et peu partout pour débarquer devant ambassade américaine. Nous disons son manifestation pacifique. Parce que nous comprenons ce qui est passé. Les gens ont pile terroristes qui ont parlé, qui débarqué dans le Capitole au niveau des États-Unis. Ça veut dire que les 20 nous demandent pour la population un comportement exemplaire. Parce que nous avons une période qui demande faut gagner sécurité au maximum. Et c'est dans ce sens, table mobilisation qui nous ou bien comité mobilisation pour respect constitution. Là prend toute disposition pour manifestation ça les pacifiques. En façon pour tout monde, grand monde, femme enceinte capable participer dans manifestation ça. Et dans ce sens ça, comité de mobilisation pour respect constitution. Yo ganta désigner 3 monde pour entrer en pour parler avec la police pour permettre que toute bagaille déroule comme ça. Comme ça doit parce que en d'un pays, il n'y a pas de zone de non-lieu pour peuple haïtien. Fait de Saline, c'était haïtien qui est venu. En maintenant, sans ça, nous ne prenons pas intimidation. Léon Charles, qui est chef de la police de facto, parce que nous ne connaissons pas passer devant le Parlement. Tout ça, Léon Charles a fait, c'est des bagailles de facto. Là, nous avons parlé avec des policiers régulièrement qui entrent dans la police. Et c'est ça que fait la son appel à la police. Pour nous dire que la bataille qu'a fait là, c'est bataille pour respect la loi, bataille pour respect constitution, bataille pour respect démocratie. Nous besoin tous citoyens conséquents. Nous besoin la police, nous besoin syndicalistes, nous besoin ouvriers, ouvrières, nous besoin professeurs de l'école, nous besoin étudiants, nous besoin élèves de l'école, nous besoin pédochallengers, nous besoin tout le monde, chauffeur moto, tout le monde en général, pour porter coller dans la mobilisation, moi je nomme ça. Et nous voyons ça qui a passé. Hier, le peuple a été dans la rue, et je dis à nous répondre devant la presse pour nous dire ça qui a passé toujours. Ça veut dire son mobilisation non-stop, et nous avons continué à lancer un message par tout secteur dans la vie nationale, là, pour nous faire une seule, pour permettre que 7 février, ça, une réalité parce que c'est jour peuple là il était libéré tête li, et c'est jour ça lui-même la responsabilité pour lui débarrasser par les nationales de Jovenel Moïse. Ça veut dire 20 janvier c'est pas une journée pour moi-même capital pour nous lancer un message by nouvelle administration capitalien pour nous dire pas supporter encore en notre pays ça gang
criminel, corrompu. C'est un autre air qui va ouvrir sous pays les États-Unis, mais quoi que ça a favorisé un autre type de coopération entre Haïti. L'important pour nous dire et que Jean professeur Mérine Sotil, peuple haïtien ou bien haïtien américain qui t'a voté, il a voté sous base en tant que lien avec Joe Biden. Et tout le monde te compte ça. Ça veut dire il clair pour tout le monde que l'administration ça il pas gain un agenda pour supporter équipe ça, équipe pouvoir PHTK qui mandat a fini 7 février 2021. Et me toujours dire c'est blanc qui t'a supporté Jovenel Moïse en bas constitution hein, et c'est constitution ça qui dit mandat Jovenel a fini 7 février 2021. Ça veut dire pas gain route pas voir et tout le monde en dans pays a nous connaît que yo mobilisé pour 7 février mais m'a dit nous pas tant 7 février pour prendre l'aria, c'est depuis qu'on y a pour prendre l'aria jusqu'à 7 février 2020.